Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Skull. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans Skull? Je crois qu'il nous faut des milliards de cristaux de quartz noir. Déjà, il nous en faut 6000 pour 100. Et après, il nous en faut genre 20 000 pour ça. Je lui ai même pas laissé finir sa phrase. Et c'est à peu près tout. Ok. Bon, c'est pas grave si on n'a pas fini de tout débloquer. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on continue de bien s'amuser sur ce jeu. Ah, non, j'ai pas envie de te reprendre, toi. Dégage. C'est bon. On a appelé toute l'armée de Carléon à la rescousse la dernière fois. Ça va. Hein. Et tiens, d'ailleurs, on commence avec le loup-garou. Et je m'étais dit, pourquoi pas aujourd'hui tenter une petite partie vitesse mirage. Pourquoi pas? Youpi! Du coup, je rappelle pour ceux qui étaient là, pas forcément là sur le live d'hier, mais qui étaient là dans des lives précédents, où je me posais des questions sur « Ah, mais est-ce qu'il y a un mode New Game Plus parce que le jeu est plus dur, et c'est quoi cette icône en bas à gauche ?» On sait pas ce que c'est l'icône en bas à gauche, c'est juste qu'il me reste une vie supplémentaire. Voilà. C'est tout. Et donc, il n'y a pas de difficulté supplémentaire une fois qu'on a fini le jeu, c'est juste que j'arrivais plus à aller au bout. Mais c'est bon, hier on y a été, donc tout va bien. Tout va bien désormais. On a retrouvé notre mojo. Bunk. Ok. En avant. En avant, mon loulou. Après, je dis crâne de... vitesse, on n'est pas obligé. Il n'est pas du tout obligatoire que ce crâne de vitesse soit le loup-garou, même si il est très cool. Wing. Attends, j'arrive. Youp. Merde. Merde. Merde et remerde. Ah bah, bravo. Et le langage, et le langage, et les saucisses, mon Juju. Pour ouvrir une boucherie avec toutes tes saucisses. Pas terrible comme blague. En avant. Donne-moi de la vitesse. Yeah. Yeah. Oh, ça vous tue pas. Je suis très déçu. Est-ce que là, t'as... Non. J'étais en train de me dire, est-ce que là, il a déjà le truc plus de dégâts suivant la distance parcourue? Et en fait, pas du tout. Ah non, parce que ça, c'est avec une jauge qui se remplit en dessous. Tu te souviens, mon Juju, il y avait une petite jauge grise hein, sous la barre de vie de ton loup-garou quand il était de rang suffisamment élevé. Qui, justement, te disait... C'est bon? C'est bon. Qui te disait quand cette histoire de distance était active et à quel point. Alors là, il n'y a pas de mirage. Du coup, c'est pas ouf, tout ça. Qui donne une petite période d'invulnérabilité, c'est assez intéressant. Le reste, par contre. Léonia, c'est que pour les statues qui rendent des PV, on est d'accord? C'est un peu naze. Mais si je re-randomise, j'ai plus de quoi prendre autre chose. À moins de vendre un objet. Ah, quoique si j'ai assez. Ah, sauf qu'il n'y a rien à rapport avec la vitesse, a priori. Et marée, je sais plus ce que ça fait. Manatech, on sait ce que ça fait, c'est bien. Pas ouf tout ça. C'est pas ouf tout ça. Je crois que je garde mon argent. Je sais pas si c'est un bon choix, mais c'est le choix que je fais. Tiens! Oh, je déconne! Nya. 3. Téléportation! Ah!
ça va pas la tête, non? 2, 3. Oups. Ah! Vil démon toi-même! Ah, le changement de crâne pour le petit Skull, c'est mignon, mais tu peux rien faire pendant un long moment. Oh, un trop. Un os infini. Oh, bah ça, c'est quand même vachement bien. Les compétences ont 30% de chance de se réinitialiser. Mmh, oui, en plus, ça donne mirage. Oui, s'il te plaît. Bon, je vous remontre pas, mais le petit Skull, on peut pas l'améliorer. C'est un bon début de partie, c'est un excellent début de partie, ouais. Hop! Alors, je pense pas que ça marche avec ça. Parce que ça, t'es obligé d'aller chercher ta tête pour la relancer. Alors évidemment, plus la compétence est habituellement longue à charger, plus cet objet est intéressant. Attention, baloche. Oh, j'esquive! Incroyable bleu! Ah! Dit-il en sautant dans l'attaque au sol. Tchac, 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 tchac! J'avais pas du tout oublié qu'il y avait ses pics. Le sorcier, lui, il avait bien oublié. Ah ! Saute, mon loulou ! Ouais. Ça sent le multispam de skills qui vont remplir l'écran de bim, paf, boum. Bah, c'est ce qu'on aime, non ? Ah ! Alors j'avoue qu'avec les crânes de vitesse, à moins de choper un ninja qui balance des projectiles dans tous les sens, je sais pas comment on en tire bien parti de ce potentiel de... Ah oui ! De bourrinage. Pas trop avec un sorcier parce que... Avec le sorcier faut charger. Bonjour ! Un chasseur. Équilibre. Faut rester appuyé sur le bouton. Ça a l'air un peu naze, non? Après tout... C'est déjà rare en plus et c'est aussi naze que ça. Bon, alors comme tous les trucs nazes, mon juju, peut-être qu'il faut il faudrait bien l'améliorer, mais moi j'aime bien ça, je crois. Je crois que j'aime bien ça. Surchauffe, crée une explosion. D'accord. Mais surtout, est-ce qu'il y a des trucs qui font mirage? Ah, sprint et élan. Ça. Et... Franchement, le petit chasseur là, je sais pas si j'ai envie de le jouer. Pouet, 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 c'est pas hyper kiffant. Peut-être qu'en l'améliorant, il est mieux, mais. Ça, on sait que c'est bien. Ça, on sait que c'est bien. On sait que. Sprint avec le loup-garou, ce sera très bon. J'aimerais bien réussir à faire tourner un loup-garou quand même à un moment. Mais il y a toujours la découverte des crânes, tu vois. Mais le crâne de glace, je crois pas qu'on l'ait déjà monté. Le comment il s'appelle lui? Le chasseur non plus, d'évidence. Du coup, j'hésite. Je crois que je vais prendre ça.
Et est-ce que je vends des trucs? Non, c'est bon, vas-y, on se casse. Allez, zou, et on va chercher de la thune. Ah, très bien ça. Oups. Ah, j'ai oublié que tu fonces quand tu apparais, toi. T'es un fonceur, mon loulou. Tu fais quoi, toi, avec l'échange? Lance des morceaux de glace. Très bien. C'est bien d'avoir deux crânes qui foncent avec leurs compétences, parce que je risque pas de foncer. Enfin, je risque moins de foncer dans des trucs en oubliant. Ah mais non, mais lui, c'est le crâne qui fonce quand j'appuie sur le bouton de compétence. Quoi. Les deux le font. Donc, bah, disons que si je me plante, c'est... C'est plus ma faute. Allez-y. Les boss. Le chasseur fait un peu ridicule là comme ça. Bah ouais, hein, t'as vu. Mais bon, peut-être avec des objets en rapport avec les projectiles et tout, il devient bon. Hein. C'est même sûr, mais pff, ça me disait rien. Pourquoi le bouton de cette manette Switch reste tout le temps bleu? Je ne sais pas. Je viens de voir ça posé à côté de moi là. On verra ça tout à l'heure quand on passera Cyber Shadow et qu'on ira sur... Oups, Switch. Ah, j'avais oublié. Ok, par contre les dégâts là, les dégâts magiques c'est nul. Hein. Le problème des crânes rares qui sont pas terribles, c'est que 30 fragments d'os plus tout le temps où tu te tapes un crâne qui est vraiment pas ouf. Enfin, peut-être qu'il a d'autres compétences qui sont meilleures, hein. Mais son attaque de base est tellement pas terrible que... Merci la Sinfini. Ah. Des PV, pourquoi? Ouais, à moins de le choper pile poil quand t'as déjà les 30 os, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai 0 os. Zoom, zoom. Fais mes muses, fais mes muses, le juju, hein. Fais mes muses. C'est marrant. Ah là 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 là. Allez, allons voir ce qu'il y a d'autre. Non, parce qu'en vrai, je veux bien choper des crânes un peu plus craqués et juste monter mon loup-garou. Parce que monter deux crânes en légendaire avec les os, ça prend longtemps. Au fait, maintenant que je t'ai monté, à vaincre des ennemis augmente la vitesse de déplacement et la distance de sprint de 30%. D'accord. Mais t'as pas encore de trucs qui dépendent de la distance parcourue. Peut-être en unique ou en légendaire que t'obtiens ça. Ah mince, il était rechargé l'autre. Ah! Ah! Oups! Tu l'as dit. Si tu rates, c'est ta faute. Monsieur? Et alors là au-dessus, Adi, non, là au-dessus, qu'on lui coupe la tête. Non. Oups. Dans l'Early Access, là-haut, c'était un trésor. Je sais plus comment on y allait. Et là, on voit rien. Est-ce qu'il y a toujours le trésor? Que ça? Non, il n'y a rien. C'est juste pour la déco? Bizarre. Bizarre. Un crâne légendaire? Non, faut pas abuser quand même. Oh, une goule! Elle a inhalation. Moi, je la prends. Moi, j'aime bien les goules. Manger! Miam, miam.
étourdit les ennemis. Sylphide, l'esprit du vent. Salamandre, l'esprit de feu. Est-ce que je peux prendre les deux? Je vais prendre les deux. 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 Il va prendre les deux. Il a pris les deux. Il a pris les deux. Yippie. Manger. Bef. Viens là, mon gros. Pardon. Excusez-moi. C'est tellement le Kirby de l'enfer, ce truc. Ah bah non, on a dit non tout à l'heure. T'as pas écouté quand j'ai dit non? On m'a pas écouté quand j'ai dit non. Miam miam. Ça s'entend quand le juge est content, ouais. Miam, miam, miam. Oh, plus gros, toujours plus gros. Alors, comme le disait très bien Bestio hier soir, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression d'être invincible, mais bon. En fait, on l'est pas. Oh, je suis tout petit. Miam, miam. L'enchaînement. Jamais j'arrêterai. Miam miam. Ha. Nya. J'approche si je veux. Puis se sauter à plat ventre. Oh là 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 là. Alors, man attack et sprint. C'est intéressant, ça. On pourrait partir sur un peu de dégâts magiques. Ah, il y a un dragon de feu. J'aime bien le dragon de feu. Clairement, on prend pas l'épéiste. Man attack pour recharger encore plus vite les compétences des fois qu'on ne l'est pas avec l'os infini, c'est pas mal. En même temps, là, on est un peu parti sur une partie conte de fées. Et compétences. Mais on peut vraiment partir en mode full spam de compétences en ayant ça, avec rechargement de compétences plus 30%, plus les manatech. Et sprint, on a dit que c'était... La vitesse d'attaque et de déplacement augmente en fonction de la distance parcourue, donc pour le loup-garou c'est bien. Écoute, je prends ça. Voilà. J'ai pas de quoi améliorer mes deux crânes. Zo. Ah, je crois qu'on va se gaver. Je suis très déçu de pas avoir pu faire l'inhalation plusieurs fois. Ou l'ingestion, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, le truc où il mange tout le monde. Crunch, crunch. Maman, quand est-ce que c'est l'heure de manger? Ramener tous les ennemis sur nous. Bon, alors, certes, c'est rigolo, on est gros, mais encore une fois, on n'est pas du tout invincible. Hein. Même si on a l'impression. Ah, la gargouille. Voilà. Un jour, on la prendra, mais... Oh, que j'aime pas cette zone. Ah là là, à chaque fois. French. C'est bon? Oh bah c'était vite fait. Ok. Ma hitbox a grossi aussi, ouais carrément. D'ailleurs, c'est ce que je disais hier je crois. Est-ce que le point faible des gros crânes légendaires qu'on a directement là, genre la faucheuse, ce serait pas justement qu'ils sont plus gros?
Crunch. C'était rigolo. Ah là 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 là. Alors, collier de mage, sorcellerie. Sorcellerie, c'est intéressant pour les compétences. Mutant et sorcellerie, mais ça, c'est exactement ce qu'il nous faut, non? Je crois. Je crois que c'est exactement ce qu'on veut. Ah, mais non, l'orbe de feu, espèce de patate, c'est ça que tu veux? J'ai failli pas prendre l'orbe de feu. Le truc qui met une boule de feu quand tu utilises une compétence dans une partie où on va bourrer les compétences dans tous les sens. T'es zinzin. Non, j'ai plus du tout assez de sous. Allez, go. Ah. Du coup, il nous faut des dégâts magiques dans cette partie, en fait. Hein. Et il faut qu'on se débarrasse de la goule, même si ça me ravit pas. Et il faut qu'on prenne un crâne basé sur les dégâts magiques à la place. Aïe, oui. Parce qu'en fait, c'est l'orbe de feu qui va nous aider. Aouh. Clairement. Qu'est-ce qu'on voudrait? Un alchimiste pour spammer des potions, en fait. Hein, ce serait vraiment bon, quoi. Ça irait très bien dans cette partie. Ah. Ok. Crunch. Bon, Juju, tu t'amuses trop et tu prends trop de dégâts, ça va pas du tout. Alors, c'est pas que je m'amuse trop qui est le problème, mais que je prenne trop de dégâts, bien sûr. Tiens, et si on essayait de monter une momie? Pour voir ce que ça donne. Allez. T'as un truc qui se recharge vite de base. On va voir. C'est une partie sprint et dégâts magiques. Alors évidemment, si on peut mettre du mirage, ce serait parfait aussi. Parce que quand même, pendant qu'on sprint, faudrait pas se taper des attaques. Ce serait plutôt bien, mais on verra. On verra. Déjà, faut passer ce boss. Allez, mon Juju. Normalement, ça passe maintenant. Ah, j'ai raté ma griffe. Je suis très déçu. Ah, mais va pas sur elle quand elle fait ça, tu le sais. Casse-toi. Au. Tac. Pas de double saut. C'est quoi les petits dégâts magiques? Ah, c'est les orbes de dash, je crois. Ou c'est les familiers, peut-être. Oh, t'as ressauté, patate. T'as raté la grippe. Par contre, on tape pas fort. Hein. C'est le problème des crânes de vitesse. Merde, t'es pas invincible quand tu fais ça. Alors, il le pensait, mais pas du tout. Casse-toi, merci. Ah, elle est longue sa compétence griffe. Hein. Alors la bonne nouvelle, si on essayait de tuer les deux en même temps, ça serait classe. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si c'est possible.
Ça aurait été beau. Si on faisait plus de dégâts, ça aurait eu lieu là, je crois. Sale bait. Ah, quand même, la moitié de ses PV, hein, ça va être super long. Encore les diagonales, ça va. Tac. Check, 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 check. Pas si long que ça finalement. Ah, la momie elle tape hein. En fait, sa petite compétence griffe là. Ok. Ça aurait dû mieux se passer ce combat, mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé quoi. En tout cas, c'est passé. Sprint. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut? Tu mets ta tête à couper que ça va faire un pharaon. Ah, je sais pas, moi vu la référence, je pense que ça va faire après une... je verrais bien une momie obèse comme dans Metal Slug, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on la monte pour voir? Franchement, je suis trop curieux, vas-y. Tant pis pour le loup-garou. En plus, c'est elle qui a défoncé le boss, après tout. Alors, refais voir. Couteau de survie. Lors d'un échange, envoie un... Ah, c'est pas la bonne traduction. Jette sa tête qui explose. D'accord. Pourquoi je peux pas faire la compétence de gauche? Ah! Ah! Par contre, la compétence de gauche est inaccessible. Comment ça se fait? Pas trop hein. C'est quoi l'histoire avec la compétence de gauche? Comme le texte n'est pas là. Ah là je peux le faire. Je peux le faire qu'une fois? Ah si, là je peux le faire. Alors qu'est-ce qui fait que je peux faire la compétence parfois? Ah, faut être proche des ennemis. Ah mais c'est le petit couteau de Metal Slug, d'accord. Ok. Ça y est, j'ai compris. Il a compris. Par contre, ça a pas du tout changé son apparence, je suis assez déçu. Mais bon. Schluck. Par contre, c'est des dégâts physiques. Ah, faut pitonner le bouton pour que ça tire. Ok. Pas ouf. Ah, quoique je peux me mettre au corps à corps et spammer le couteau, non? Pour les orbes. Et quand même rester sur une construction de partie dégâts magiques. Ça a du sens. Peut-être. Et une mitraillette. Ça fait bizarre quand même de courir après les caisses d'armes. Schlouk. Tous les machins qu'on invoque qui font nos dégâts. C'est clairement pas le bonhomme. Enfin, indirectement, c'est le bonhomme, mais. Ça a l'air de marcher, hein. On verra bien. Ah, par contre, là. Ok, c'est bon. Alors, si on arrive à empêcher les portails, c'est qu'on fait assez mal. Hein. Oh merde, y'en a un autre. C'est pas bon. C'est bon. Ouh.
bien, plein de thunes pour le magasin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ouais. Ouais. On le prend. C'est quoi ruine? Je fais un peu d'effort. Un jour, je vais les retenir. On sait pas. Ah, vas-y, je le prends. Il y a écrit légendaire dessus. C'est sûr qu'il faut le prendre, non? Rechargement des quintessences. Bah, ça sent bien, ça. Et par contre, ma quintessence, j'aimerais bien changer, mais ça, c'est nul, c'est ça. Ouais, c'est vraiment nul, ça. Ok. Et... ah, bah, je peux prendre ça aussi. Ouais, je commence à avoir trop de choses. À moins de virer ça. Sinon, je garde un peu de sous. Ou je prends des PV. Hop. Ah. Schlouk. Ah merde. Ah non. Schlouk. Oups. J'ai fait une bêtise. J'avais pas vu le gros golem. Ok. Et si j'avais des shurikens, ce serait ouf ou pas? Je sais pas trop. Ah, j'ai une autre arme. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah oui! D'accord! J'ai un lance-missile. Mais c'est rigolo ça! Moi je veux le spread! Donne-moi le spread! Ah là là. Sur les trois aventuriers, n'empêche, je sens qu'on va être pas très bien. Okay. Schlouk. C'était pas ma guerre. Oups. Je suis pas sûr de pouvoir... réutiliser instantanément le couteau. Est-ce que je vais te donner de la vie pour choper un autre crâne, toi? C'est les trois aventuriers après. Hein. Enfin, bientôt, pas tout de suite, mais... ah, vas-y, allez. On a des vies après tout. Bonjour. Il se fout de moi, il se fout de moi. Allez, viens me donner des ossements. Donne-moi ce bouton! Ouais! Et dur ce jeu. Schlouk! J'avais presque oublié qu'on avait un loup-garou. On a déjà dit non à ça. Et on ne revit jamais le loup-garou. Si, t'as vu? T'as vu? Hein? Avant que tu le dises, je crois, peut-être. Avant que je le dise, en tout cas. Ok. Go, hein. Attends, ma quintessence, c'est quoi déjà? Ah oui, ça diminue les dégâts encaissés. Oh! Oh, ça va, ça devrait pas être trop le bazar, ça. Et finalement, il y a... ok. Attendez. C'est bon. Ah, merde. Ah, quel bordel.
Ah ! C'est joué comme une patate. Concentre-toi, concentre-toi. Ok, c'est bon. Ouh. Ça nous a coûté une vie quand même ce bazar. Mais bon, on a des crânes là. Il y a moyen de faire un truc rigolo avec, mais tout de suite, c'est quand même pas terrible. Ah. Schlouk. Schlouk. Oh merde. T'es où? T'es là. Ok. Ah, c'est des quintessences qui nous manquent un peu là, non? On a que des quintessences pourries. Allez. Et ça, prédation, ouais, c'est vrai, c'est ça. Tu tapes, si tu les tues, tu te boostes. Et tu gagnes un peu de... Un peu de vie. Un PV. C'est pas... Tout de suite, on va faire ça. Toi, t'es crâne explosif. Hein. Voilà, ça c'est fait. J'ai déjà plus de vie. Aïe! Ah, mais il y a un golem là-haut, merde. Je me disais, j'avais entendu un bruit d'invocation de golem, mais je comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a eux là. Ah! Ah! Alors. Un contre ça. Ah, je vais pas utiliser ça. Donc ouais, je mets des marques sur les ennemis et quand je fais ça, ils prennent des gros dégâts. Ah, faudrait qu'elle se recharge plus vite celle-là. Voilà, typiquement. Ok, et par contre la parade, j'ai pas utilisé quoi. C'est une bonne idée de prendre ça. Est-ce qu'on essaye de monter la momie à fond? Là, de toute façon, c'est 100 fragments pour tous ces crânes pour les monter encore. J'ai pas de boost de dégâts en fait. Hein. C'est ça notre problème. C'est exactement ça notre problème. Ok. Notre problème, c'est qu'on n'a pas de boost de dégâts, on a rien qui augmente nos dégâts physiques ni magiques. Donc faudrait qu'on chope une quintessence qui booste un des deux. Soit les dégâts physiques pour les attaques de base, soit les dégâts magiques pour tout le bordel qu'on invoque partout là. On montera le samouraï une autre fois. Ou on remplace le loup-garou par le samouraï. Pourquoi pas, tu vois. Voilà. J'ai bien compris que la momie ça vous faisait marrer. Je dois avouer que moi aussi c'est assez marrant. C'est pas le genre de crâne que je jouerais souvent, je pense. Là on est dans une partie où ça peut marcher grâce au spam de compétences. Ça marche. Ouais, balancer sa grenade tout le temps, ça marche bien, on dirait. Ah, il y a des trucs là. Par contre, on n'a pas de mirage. Il nous faut des mirages. Ah, un sorcier! Avec un météore.
Et les niveaux quintessence, t'en as que des trucs pourris, quoi. Ah, mince. Alors, 1700. Ça nous laisse 2000, hein, pour acheter de la bouffe, en fait, hein, je crois. Ouais, je crois. Je pense qu'il nous faut un moment des dégâts. Ça va être trop long de tuer les ennemis. ...150 PV aussi, on n'est pas énorme. C'est pas le boss tout de suite, c'est vrai ça. Alors, est-ce qu'on tue les trucs plus vite? Bon, ouais, il y a des trucs qui sont morts. Je sais pas si on les a tués plus vite qu'avant, mais... Prédation. Alors ça manque de compétences aussi qui me donnent des points d'armure hein, par rapport à l'épisode de la dernière fois. Clairement on a vu que c'est ça qui nous avait permis de gagner. Donc là je prévois une mort malheureusement prématurée pour cette partie. Bientôt. Ah, paladin d'art noir. J'aime bien le paladin d'art noir moi. Et voir. Ça donne quoi ça? Ils sont où les petits squelettes? Ils sont là. Ça fait quoi sa barre d'énergie à lui? Lorsque ses charges sont complètes, elles peuvent déclencher un bouclier de 10 PV qui amplifie les attaques magiques de 30% tant que le bouclier tient. Il dure 20 secondes. D'accord. Ah et ça y est, là j'ai le truc en fonction de la, distance parcourue avec lui, c'est ça? Ah ouais. Ça augmente la critique, d'accord. Ah, et c'est pour ça qu'à un moment on tuait tout quoi. Ah, j'hésite hein. Paladin noir il est cool quand même. Puis en termes de compétences à bourrer là, ça fait un peu plus de dégâts que le chlouk quoi, je pense. Non. Voyons d'ailleurs. 41 et je sais pas combien de fois. 18. Et ça, 68. Ma petite momie, t'es mignonne, mais je crois qu'il n'y a pas photo là. Hein. Alors en même temps, je suis assez curieux de voir ce qu'elle fait après. Ah, j'arrive pas à me décider, c'est terrible. C'est terrible. Alors ce qu'on peut faire sinon, hein, c'est laisser tomber le truc sprint. Mais on repart encore sur une partie dégâts magiques finalement. Dégâts magiques, spam de compétences quoi. Et on laisse tomber tout ce qui est sprint pour choper des trucs dégâts magiques par la suite. Parce que finalement on a ça et ça qui n'auront plus leur place dans notre partie. Il est cool le loup-garou quand même. Ah, c'est pas simple tout ça. Hein. Allez, on a fait notre choix. Avec un peu de bol, on chope un crâne unique, là on peut le recycler et passer l'un des deux légendaires ensuite. Là on passe en mode gâchette dans tous les sens. Haha, parce que la momie elle a un flingue aussi, la bonne blague. Aouh. Le problème c'est que quand tu fais tes attaques, toi tu restes bien en place quoi, pour bien te faire défoncer la face. Je le vois pas souvent le bouclier d'énergie noire, non? Je sais pas si vous le voyez vous, mais... Ah là je l'ai vu. Ah merde, j'ai mis mon javelot dans le nez. Ah. Oups. C'est bon, tout le monde il est mort? Ok. Et si on essayait de changer les compétences de notre momie? Ouais.
Ah, on a le couteau et le poison de la momie qui crache un nuage toxique. Ok, est-ce que je peux les échanger? Ouais, comme ça je laisse le couteau sur le même bouton. Blur. Ah, c'est un petit crâne. Oh là là, mais j'arrive toujours au boss avec 90 quelque chose. Hein. Ah oui, il faut descendre, c'est vrai. Je t'appelle alors. Emmène-moi au boss. Allez. Ouais, on a déjà fait 99, non, je crois. Hein. Allez. Laisse-moi t'approcher. Je suis où? Ah! Ah, j'étais dans le slime. Super. Ah! Alors, je spamme toutes mes compétences comme un porc et je vois pas sa barre de vie qui baisse. Je vois que c'est une déception. Arrête de me pousser! Allez! Aïe, j'ai pris les caisses sur la tête. Ah! Et reviens pas là tout de suite. Tu le sais pourtant. Oups. Ah, oh, 6 PV vraiment? C'est pas énorme ça, hein. Hey! Encore ça? D'accord. Ah! Je ne savais plus où j'étais, il y avait trop de bordel à l'écran. Il y avait juste trop de bordel à l'écran. Je pensais être entre les deux piliers, je sais pas comment je me suis retrouvé à droite. Je sais pas du tout. Eh bah tant pis! On tapait pas assez fort, ça manquait de dégâts quoi, c'est dommage. C'est dommage. On a essayé de construire un truc et en fait on est parti dans tous les sens. En fait le spam de compétences il était là, on pouvait enchaîner les trucs de ouf. Et sauf qu'en fait ça faisait pas assez de dégâts quoi. Parce qu'on avait pas de compétences qui disaient plus, bah on a déjà vu les trucs 95% de dégâts magiques en plus, donc là c'est sûr que les petites orbes de feu elles auraient tout déchiré quoi. Mais en fait on avait pas ça, on avait rien qui augmentait les dégâts magiques. On avait un truc qui augmentait vaguement les dégâts physiques. Et du coup, ça manquait de dégâts tout court en fait, et physique et magique. Mais surtout magique à cause de toutes les. Bah, des familiers qu'on avait qui faisaient des dégâts magiques, des boules de. Des orbes de feu qui faisaient des dégâts magiques, mais rien n'était amélioré en fait. C'est dommage. C'est dommage, on a essayé de mettre de la logique dans la partie et ça nous a manqué de dégâts. Bon, et bah écoute, tant pis. Merci à toi en tout cas d'avoir regardé cet épisode de Russie joue à Skull. J'espère que ça t'aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.